Moi, je suis Anna Cinzia-Villani, je suis chanteuse, je viens de l'Italie, du Salento, qui est une sous-région des Pouilles, la partie plus méridionale des Pouilles, qui est le talon de la botte. Et je suis chanteuse et je fais la musique de mon pays. C'est la musique traditionnelle du Salento et je fais des stornelli, la danse qui s'appelle la pizzica, les chants des paysans, les chants plus bois et tous les chants traditionnels de ma terre. Ça fait partie de la tarentelle? Ça fait partie de la tarentelle, parce que la tarentelle c'est la forme pour la danse qui il y a du centre de l'Italie jusqu'au sud. Et chez nous, la tarentelle s'appelle pizzica pizzica. Mais sinon, qu'est-ce que vous interprétez? Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous dites dans les chants? Dans les chants, on parle toujours, presque toujours, d'amour. Mais aussi des privations de la vie des paysans, de la fatigue, des patrons, mais toujours, presque toujours d'amour. Parce que les centimes pour les anciens étaient égales à notre centime. Vous êtes chanteuse, mais vous êtes aussi musicienne. Alors parlez-moi un petit peu de votre instrument. Un accordéon, c'est un accordéon classique. Et seulement qu'il a des tastes, plus tastes. Toujours les accordéons ont 8 accords. Il y a 12 accords ici. Et quand tu fermes l'accordéon, tu as une sonorité, un accord. Mais quand tu ouvres, tu as un autre accord. C'est la particularité de cet instrument. Et alors, il faut la coordination de la main droite et de la main gauche, mais aussi comprendre qu'est-ce qu'il se passe avec le sound quand tu fais le mouvement.